Maths, SVT, anglais ou histoire géo, aujourd'hui les traditionnelles annales sont bien souvent délaissées par les nouvelles générations. Pour Nestor, élève en terminale S, le meilleur outil de révision, c'est YouTube. Ces vidéos, c'est des chapitres qui vont être repris par une chaîne YouTube. Là, en l'occurrence, c'est les bons profs. Ça va prendre chaque chapitre. Une vidéo de 5-6 minutes va reprendre un chapitre. Puis si on a un problème, on revient en arrière sur la vidéo, on peut mettre pause, on prend des notes. Parce qu'en plus, il y a un tableau avec des notes, donc c'est très pratique. Et moi, ça me correspond parfaitement. S'il lui préfère s'isoler dans la cuisine familiale, d'autres choisissent de s'éloigner des tentations de la maison. Lieu de prédilection pour Arthur et William, la BFM. C'est mieux déjà d'avoir un cadre quand même. Alors là, on est là, on fait que ça. C'est moins, ça permet de se concentrer. Et avec quelqu'un, on peut s'aider et puis c'est mieux quand même. Tout ce qui est maths, physique, vu que j'ai plutôt des facilités, je vais juste relire le cours. Sinon en histoire, vu que c'est surtout du limite du par cœur, j'ai une application qui s'appelle Neumann Education. Et en fait, on a des résumés de cours, des fiches, avec aussi des petits quiz pour nous entraîner. Les élèves de terminale ont délaissé cette semaine les lycées et leurs professeurs. L'heure n'est donc plus aux leçons, mais aux derniers conseils. L'idée, c'est de bien maîtriser les notions, de bien les articuler au sein de problématiques et vraiment, justement, réfléchir à faire des plans à partir de questions qui ont pu être posées en cours et durant l'année. On doit aborder cette dernière semaine en ayant travaillé avant et en étant le plus tranquille, le plus serein. On sait qu'il y a du stress. Ça veut dire qu'il faut aussi avoir une certaine hygiène. Le sommeil, c'est très important, l'alimentation. Garder aussi ses routines. Si vous faites du sport, il faut continuer à faire du sport. Les épreuves écrites du bac dureront une semaine, du 17 au 24 juin.